Oh, j'ai l'air destroy, quoi. Anyway, you guys, bienvenue en janvier 2021. Cette année qu'on attendait tous, repartir à zéro. Not happening! J'avais envie de continuer à vlogger, donc je me suis dit, hey, un genre de January recap, ça se fait-tu ça? On va faire ça. Fait que je sais pas pour vous, mais pour moi, janvier, ça a été difficile, ça a été un mois où j'ai eu beaucoup de down. C'était difficile de me lever le matin, c'était difficile de commencer mes tâches journalières. Puis c'est correct qu'il y a des mois de même. Hein. J'avais l'impression que j'avais perdu comme toutes mes bonnes habitudes. Tu sais, de prendre le temps le matin de manger, de stretch. J'ai pas été super aussi assidue avec mon entraînement. C'est correct, tu sais, des fois de se laisser du lousse. Je m'en suis donné en maudit en janvier en tout cas. Fait qu'on commence la semaine. On lâche pas, on peut le faire. Donc, dernière semaine de janvier pour essayer de turn mon mood around. Reprendre 2021 par les cornes. Whatever that means. Anyways, we can do this, hein? Let's do it. Bon, vous voyez, je suis allée me brosser les cheveux. Je trouve que j'ai déjà plus l'air de quelque chose. Je me suis même fait un petit café. On va commencer par faire ma to-do list pour la semaine. Tu sais, hein, tu l'écris, ça sent grave ici. Oh, ça, t'es parti. T'es parti pour faire du mieux que tu peux. Hey gars, une bonne chose est faite, ça paraît pas là, mais juste faire ça, je suis comme ok. Mais là, faut que j'aille faire mes taxes, je ne peux pas reculer le moment encore. Ok, go, go. C'est donc l'heure de faire mes taxes. J'ai pas fini, hein. Tu sais, je peux même pas cocher une chose sur ma to-do. Ben non, c'est pas vrai, je peux cocher, là, genre, répondre à mes emails. Where is it? Where is it que je le coche? Elle est là. Ah, ça c'est fait. Ok. Non. Ouais, c'est tout. Une autre journée de fête, quoi. Et on se retrouve demain. Bon matin! Et là, je sais, vous dites, ben voyons, elle est habillée pareil comme la veille. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment beaucoup en janvier. Mais ouais, j'ai bien de la misère à faire des rotations de linge. Souvent, je vais m'endormir et passer la journée avec le même linge. Là, c'est comme un January recap sur ce qui n'a pas fonctionné, puis un espèce de reset avant février. Fac, je vais aller me changer. Ok, on va partir la journée du bon pied. Ça, on fait ça, on fait ça. Je suis quand même restée dans un petit kit de loungewear, mais c'est pas le même que la veille, so I guess bonus point for Hufflepuff, right? Et on s'en va faire quoi? On s'en va continuer les taxes. Don't we love it? Oh non, 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 non. Bon, je viens de recevoir mon colis Mérite. Donc, Mérite, c'est quoi en fait? C'est une nouvelle gamme de maquillage. Ma foi, moi, je suis tombée en amour direct avec le packaging, avec l'idée derrière la marque, avec les intentions, etc. C'est une marque qui est de Catherine Power. Ça vient d'être lancé, puis je me suis fait plaisir. Je devais refaire un peu mon beauty pouch parce que j'avais beaucoup de produits qui me faisaient plus bien ou qui étaient, ben, disons, là, juste passé date parce que quand ça fait 1000 ans que tu te maquilles plus, ben voilà. Donc, je me suis fait plaisir. Ma commande m'a coûté environ, avec le shipping, 225$. C'est ça, écoute, j'étais comme justement excitée que je me suis dit, hey, je vais vous faire un petit quick make-up. C'est vraiment une gamme, en fait, qui se veut facile à porter, facile à appliquer, rapide. Fait que ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup parce que vous le savez, moi, je suis pas très bonne pour me maquiller. J'ai pas toutes les skills au monde. Fait que j'aime quand c'est simple, efficace et un look naturel au final. Donc, on teste. Donc, j'ai pris le Perfecting Complexion Stick en silk. Je sais pas si j'ai nail ma couleur. On verra, ok? Ouh! Bon. Je suis allée trop blanc à suivre. J'ai pris la petite brosse aussi parce que moi, j'en ai pas. J'étais vraiment là, vraiment due pour me refaire mon petit kit à make-up. C'est vraiment léger, ça camoufle pas mes grains de beauté. J'aime bien ça.
je trouve que j'ai déjà l'air d'avoir comme le regard un peu plus illuminé. Puis ça s'est vraiment bien merge avec, avec ma teinte Silk. Silk it is, je pense. Donc j'ai pris aussi le Highlighting Balm en couleur Cava. Fait que je vais en mettre un peu ici. Je me sens mettre un peu ici. Encore une fois, super léger. L'application est tellement smooth. J'avais plus de produits à sourcils. Donc je l'ai pris en brun. J'ai un petit peu exagéré ici. Je vais me calmer. J'ai un petit cheek color, couleur joue, en couleur Beverly Hills. Ah, oh, ça me semble soft. Ok, j'aime ça. Oh mon dieu, j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que je peux faire juste ça aussi? Au lieu de me compliquer à vie. Je vais en mettre un peu quand même parce que c'est vraiment subtil. J'aime vraiment ça pouvoir comme... Quand c'est pas trop pigmenté puis qu'on peut vraiment comme build up un peu... Je me sens mettre ça aussi. On peut build up la couleur vraiment qu'on veut à force d'y aller. En tout cas, vraiment, tous les produits qui donnent un fini un peu glowy au visage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, ça j'avais hâte. Donc, c'est un lip tint un peu. Ouais, tinted lip oil. J'ai pris la couleur au naturel. Et on y va. Oh wow, ok. Ok. Bon, c'est vraiment un coup de cœur celui-là. Bon, attends, tout était un coup de cœur. Donc, final review, je donne un gros 11 sur 10, littéralement. Je sens que la petite routine complète va être exactement ce dont j'ai besoin à tous les jours pour me donner ce petit oomph de plus là. On reste sur quelque chose de super naturel, exactement comme j'aime. Ça vient sublimer les traits du visage. Je trouve qu'il n'y a comme aucun résidu de produit dans mes ridules. Tout, c'est vraiment super bien étalé, c'est super homogène. Love it. Au revoir. Donc on commence par le café, le petit outfit de chez Kindly Her encore. Je reçois pas mal de colis aujourd'hui, donc je vous montrerai ça. Et quoi d'autre? On va faire mes ongles. Faut que je refasse ma manicure pour un shoot qui s'en vient la semaine prochaine. Fait que je vais faire ma manicure avec le GSK de, du manoir. Aussi, là, ça fait longtemps que j'ai plus ma frange et je ne me reconnais plus. Je suis comme... Anyways... Je viens de finir mes ongles, j'aime ça de temps en temps les faire avec un petit fini vraiment naturel, comme si c'était juste mes ongles, mais plus beaux. Puis là, ben, pendant que je faisais mes ongles, j'ai reçu des paquets, fait que je vais vous montrer ça. Ok, first thing first, j'ai acheté cette olivier-là sur Stem House Co. J'ai déjà deux plantes avec eux qui m'avaient été données de leur part pour une collaboration sur Instagram. Celle-ci, je l'ai achetée. Vraiment une compagnie super cool. Quand t'achètes une plante, ils plantent un arbre. Hein? Quand même nice. Plein d'autres super cool informations à propos de cette compagnie-là que je vous invite à aller voir. Je la mettrai dans la description, mais je suis super contente d'avoir reçu cette beauté. Mes cheveux sont pris dedans. Je vais lui trouver une petite place dans la maison. On dirait que acheter des plantes, ça me fait toujours plaisir, ça remet les émotions à la bonne place. I don't know why, mais I should stop because I have so many plants. Et parallèlement, j'ai passé une commande à un de mes fleuristes préférés en ville, donc c'est Bell Jar Botanical. Ce sera pas bien long. Oh. C'est toujours des fleurs comme unexpected. Donc, c'est 4 tiges et là, le nom de cette fleur m'échappe. Donc, je vais l'écrire par-dessus. C'est magnifique. Donc, je vais sûrement faire un pot avec 3, un pot avec 1. Je vous montre ça. Et dernier paquet que j'ai reçu, c'est ma commande Indigo. Dans le fond, j'ai commandé des livres Coffee Table Book un peu pour... décoré. Donc celui-là, c'est comme un recueil de poèmes de Leonard Cohen avec les œuvres de Matisse qui est, voilà, pas du tout un de mes peintres préférés, enfin bref. Et je me suis commandé aussi ce magnifique livre que c'est Audrey en fait qui me l'a présenté. Puis c'est sincèrement comme un Pinterest mood board papier, ce que j'adore. Mercredi milieu de semaine, mais on va rendre ça vraiment plus le fun ce soir. On se fait une petite date night, Alexis et moi, grâce à Lucille. Je vais vous montrer ce qu'ils nous ont envoyé.
sollicitait le champagne avec des petites coupes et un beau plateau de fruits de mer que je vais vous montrer un peu plus tard. En fait, on teste leur boîte pour la Saint-Valentin, donc c'est vraiment un spécial que vous pouvez trouver en ligne. Je le mettrai dans la description si ça vous intéresse. Alexis et moi, on aime vraiment ça, se faire des petites date night depuis le début de la pandémie. Aller au restaurant, on le faisait quand même minimum une fois par mois, c'est en mode vraiment temps pour soi, de couple et tout. Fait que c'est ça. On essaie d'honorer au mieux qu'on peut cette tradition. Hein, Alex? Minimum une fois par mois. On a. Minimum. Minimum une fois par mois. Minimum une fois par mois. T'as hâte de manger ce qu'on mange ce soir? Oui. Et on dit merci, Lucille. Merci, Lucille, de nous nourrir. Alexis, ça fait longtemps qu'il rêve d'un plateau de fruits de mer, en plus parce qu'il en mange souvent en France. J'en mange souvent. Ouais, il en mange. Bon jeudi, ça va vraiment déjà mieux qu'à le début de la semaine. Je vous dépose ici. Donc, j'ai envie de vous parler de sport parce que quand je me suis dit, ok, j'utilise ma dernière semaine de janvier pour faire un genre de reset pour bien repartir ma routine. Et ça, ça incluait beaucoup de me remettre dans le bain de mes entraînements à la maison. Et le sport, en fait, comme j'en ai déjà parlé dans un vlog cet été, c'est vraiment ce qui m'a un peu sauvée. Mentalement pendant le premier lockdown en janvier, j'ai vraiment déconnecté. Puis ce qui m'a un peu propulsée dans un cercle où je fais pas de sport parce que j'ai pas l'énergie de faire du sport, fait que je me donne pas d'énergie en faisant du sport, fait que j'ai pas l'énergie d'en faire, fait que gros cercle vicieux. Là, j'aimerais retourner dans le cercle moins vicieux qui est j'aime faire du sport, donc j'en fais. Donc j'ai l'énergie d'en faire, donc j'en fais. J'ai par ailleurs été approchée par l'équipe de Bicycle. Ils ont une plateforme en ligne maintenant, donc des cours on demand. Fait que je vais vous présenter ça aujourd'hui, puis je vais tester un premier cours. Et si jamais vous voulez vous inscrire à leur plateforme, j'ai un 2 semaines gratuit avec le code suivant. Ouf, ok, bonjour. Alors, je viens de finir la classe Abs on Fire Bar. Je vais devoir me stretcher les abs. Anjali was not playing around. Mais j'ai vraiment aimé la vibe de Anjali. Je sais qu'il y a plusieurs profs disponibles sur la plateforme. Donc, enfin bref, à tester pour les 2 prochaines semaines. Vendredi matin, je me suis fait un petit café, j'ai pris une douche, je me suis mis un petit kit cute, je me suis mis un peu de make-up, mon mérite que je vous ai montré en début de semaine.
J'ai l'impression, en fait, un peu d'avoir réussi mon recap and reset January pour commencer février avec un meilleur mood. Je me suis vraiment rendu compte, en fait, que mon bon mood se cultivait à travers ma routine, finalement. Donc, prendre du temps pour moi, bien diviser ce que j'ai à faire dans mes journées, prendre le temps de faire mon sport, prendre le temps de bien manger, prendre le temps de bien dormir. Puis au début de la semaine, je trouvais ça difficile. On dirait que je voyais pas le bout. Puis là, j'étais un peu comme, OK, we can do this. Puis si jamais vous avez commencé janvier comme moi, j'espère que vous le finissez aussi comme moi, puis que vous puissiez commencer février sur une bien meilleure note. Puis sinon, ben lâchez pas, continuez à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous rendent heureux. Ça peut être vraiment des petites choses, mettre une playlist qu'on aime, danser dans son salon, se faire un bon café chaque matin. C'est vraiment dans les petites choses, surtout pendant qu'on est dans les circonstances dans lesquelles on est en ce moment. Donc bref, sur ce, moi je vous dis gros bisous. Merci d'avoir écouté, laissez des commentaires, laissez des petits pouces si vous avez aimé ça. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo 1C4. Bisous!